vous présente maintenant le dernier nez de mes lanceurs pour planeur. Voilà, donc je vais vous le présenter et vous faire une petite démonstration de ce lanceur à élastique qui permet de faire du modélisme avec les enfants ou même pour soi-même. Il est composé d'une planche de bois qui fait 2,50 m de longueur, au bout de laquelle deux cornières ont été assemblées avec une fenêtre en plein milieu. Il y a donc aussi deux crochets ici qui vont permettre de pouvoir glisser le système de déverrouillage de l'élastique. Vous avez également un élastique ici qui a été fixé sous la planche, voilà, avec un sando de 5 mm, voilà, qui est équipé à la fois d'un anneau et d'une petite boucle qui va permettre de fixer l'avion. On met en tension le tout et ensuite on fait un verrouillage avec une tige de métallique ou une aiguille à tricoter, ça marche très bien aussi. Et ensuite la petite fenêtre qui est ici va permettre de loger l'avion. Alors il y a également un petit crochet, enfin voilà, qui évite que l'anneau ne vienne fouetter l'embout lorsqu'il est lâché et risquer de blesser ou de se détériorer. Et ensuite, il suffit simplement de déverrouiller comme ceci. Et voilà, et l'avion fait son périple. Donc on avait vu que cet avion était un peu acrobatique. Bon, ce qu'il y a bien dans ce système, c'est qu'on a toujours la même impulsion. Donc pour faire des comparatifs entre les différents avions, eh bien donc celui-là est allé plus droit. Alors c'est avec un autre plano, mais avec un dièdre sur tout le long des ailes. Là, ici, une petite fragilité au niveau des ailes, ouais, qui tient du fait que... Donc là, il y a une fragilité au niveau des ailes, qui tient du fait que les ailes, ici, ont été séparées au niveau de la poutre qui renforce. Et c'est vrai que si cette poutre avait été d'un seul tenant, d'un bout à l'autre de l'aile, on n'aurait pas eu ce problème, comme c'est le cas pour ces avions. Essai avec un autre prototype, donc prototype un petit peu différent, où on voit que l'aile, la poutre va d'un bout à l'autre, donc on devrait éviter d'avoir ce problème de rupture parce que l'impulsion avec l'élastique est quand même très importante. Et ici le lest a été réalisé avec une bille de housse de voiture, vous savez, les housses en bille en bois. Donc on va voir si cet avion se comporte bien. Là, on est prêt. Excellent planeur. Voilà ce petit avion ici, tout simple, réalisé simplement avec une latte de bambou, avec des ailes en 3 mm d'épaisseur en EPP, un petit contrepoids avec une bille de bois et un aileron. Et on se rend compte que sa capacité à planer est vraiment très très intéressante. À garder précieusement, prototype est vraiment très bien. Donc, une autre variante, mais cette fois-ci avec un dièdre qui est fait sur toute la longueur de l'aile et avec un corps qui est fait en EPP de 4 mm.
celui-ci est plus acrobatique dans la mesure qu'avec l'impulsion du décollage, il a tendance à faire un looping, mais quand même à bien planer. Et celui-ci est bien sûr très planant. Dans le même esprit, par rapport à une poutre et à des ailes mises à plat, ici par contre, j'ai déplacé le centre de gravité plus vers l'avant au moyen d'un trombone et au moyen d'un bulbe qui représenterait la cabine de pilotage. On va voir si c'est adapté. Justement, il y a un concurrent qui est justement dans le ciel là. Toc. Ah, pas bon du tout. Alors, l'avion est parti complètement en vrille pour la simple raison qu'il n'y a pas cette traverse de renfort et qu'au moment de l'impulsion, les ailes se sont carrément repliées. Donc ce n'est pas un prototype acheté, c'est un prototype à améliorer en lui mettant une petite poutre en travers. Le dernier, le Concorde. Donc là, un vol bien rectiligne. On refait un deuxième test. Donc pour le Concorde, vous avez vu que le vol est très rectiligne et très long. On est à plus de 25 mètres de distance avec l'impulsion de l'élastique. Cet avion pourrait très bien atterrir en planant un peu mieux, si ce n'est que ici il y a peut-être une petite surcharge de colle sur l'avant du Concorde. Donc peut-être qu'il serait bon de faire arriver donc les baguettes et la colle au ras ici. Et peut-être le fait d'alourdir un petit peu au niveau de la queue ici, avec les réacteurs un peu plus gros, permettrait d'avoir un meilleur équilibre. Donc une amélioration à apporter sur ce prototype. Donc je fais un dernier essai, mais un essai de vol plus vertical. Ouais. Voilà. Donc comme vous l'avez vu, il a pris son envol bien rectiligne, bien en équilibre sur l'air. Mais ensuite, une fois qu'il est arrivé au bout de son énergie, il a piqué donc au lieu de planer. Donc l'avion était un petit peu trop en surcharge au niveau du nez.